je remarque que les Africains se lancent dans la transformation de nos produits locaux et c'est une initiative à saluer parce que pour faire connaître nos produits au monde entier, il faudrait que l'utilisation soit plus simplifiée parce que vous avez remarqué, le temps maintenant, c'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre est comme le disent les Américains, time is money. Donc, aujourd'hui, j'ai fait une belle découverte ici. Donc, c'est la poudre de bissap rouge pour faire le jus de bissap. Donc, j'invite aussi les restaurateurs à utiliser ce produit que j'ai acheté chez Ceni Produits Locaux. Je vais vous montrer l'utilisation, c'est très très simple. En fait, si vous voulez, ici, la poudre de bissap, elle n'est pas mélangée. Donc, c'est de la poudre de bissap brute. Donc, le bissap rouge. J'en ai trouvé aussi de bissap blanc et je me suis dit pourquoi pas celui-là. Donc, je vais l'essayer avec vous et puis vous allez voir. Donc, les amis, je vous montre la préparation de la poudre de bissap rouge. Donc, ici, j'ai 1,250 litre d'eau. Sachant que vous pouvez utiliser 1 litre d'eau si vous préférez plus concentré. Donc là, je vais mettre la poudre de bissap. Regardez. Donc, même si vous utilisez la moitié ici, voilà, c'est refermable. Donc, je dis bravo à ces produits locaux, franchement. Regardez. Donc, ici. Donc, je ferme là. Donc, pour que ça s'en met pas partout. Et puis, voilà. Donc, je mets. Donc les amis, j'ai mis la poudre de bissap et ici, regardez, je remue. Après, je vais vous donner les quantités de sucre et tout ça que moi j'utilise. Après, vous vous adaptez selon vos besoins. Et je vais filtrer ici mon produit, le jus, donc pour enlever les résidus. Les amis, une fois que vous avez donc bien filtré le jus, donc là, vous allez mettre votre sucre vanillé ici. Ensuite, ici, je mets de l'essence de menthe, sachant que aussi, vous pouvez mettre du sirop de menthe. Donc, si vous utilisez du sirop de menthe, vous allez utiliser 2 cuillères à soupe de sirop de menthe. Sinon, vous faites bouillir de la menthe fraîche, donc en feuilles de menthe. Sinon, si moi, j'ai utilisé 2 cuillères à café d'essence de menthe, donc c'est un peu plus concentré. Donc là, je vais utiliser du sucre. Donc ici, pour le sucre, je mets 200 g de sucre. Donc, sachant que le sucre, vous sucrez selon vos envies. Les amis, voici hein, la recette de bissap avec la poudre de bissap, la poudre brute. C'est une recette simple, comme vous avez vu, et très rapide. Donc, je vous invite à me dire ce que vous en pensez. De ce concept-là, donc de chez Ceni Produits Locaux, voilà. En plus, vous prenez selon vos goûts, hein, si concentré ou pas, donc voilà, hein, avec les glaçons. Il y en a en bissap blanc, en bissap rouge. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos recettes. N'hésitez pas aussi à partager les recettes. Je vous donne rendez-vous à très vite pour d'autres recettes.